une dizaine d'artistes live painters qui ont participé à ces ateliers. L'idée, c'était de pouvoir présenter pendant cette exposition une sélection, donc là, 14 œuvres de live painting. Donc c'est vraiment des photos prises en une seule prise de vue et dans lesquelles on vient composer avec l'espace et les lumières qu'on a à disposition. Ouais, donc à moi aussi, mais un peu de lumière. Moi, je vais m'occuper de personne après. T'inquiète pas, je vais mettre la lumière autour de toi. Vous êtes prêts? Vous gardez la pause? C'est parti. On ne bouge plus. Donc, on déclenche une prise de vue, mais nous, on arrive avec des lumières qu'on a à la main et on va venir éclairer une partie du décor. Et on va voir apparaître uniquement la partie éclairée. C'est une lumière blanche sur laquelle on met une gélatine de couleur, si on veut donner une couleur, et on va la déplacer dans l'espace, ça va créer une traînée de lumière. Alors en fonction de ce qu'on va venir apposer à la lumière, la texture de la lumière sera différente. Ah, c'était bien. Voilà. Si vous voulez venir voir les enfants. C'est génial. Si on utilise des cierges magiques, comme on peut avoir sur les gâteaux d'anniversaire, on va avoir des textures avec des étincelles, des textures un peu veloutées, ou alors des textures, on peut avoir sur la photo de gauche des lumières un peu irisées. Donc là, c'est un papier irisé sur une lumière blanche. Par exemple, cette photo-là, on a déplacé la caméra pendant la prise de vue, donc on peut aussi jouer avec cette décomposition, recomposition d'image. Je vais prendre qu'une partie d'un décor en éclairant la partie qui m'intéresse. Puis après, je déplace mon appareil et j'éclaire une autre partie, un autre décor, et je viens mélanger les deux. Qui a inventé cette technique? Ça a toujours existé, en fait, c'est le principe de la photographie. Au début de la photographie, on a lutté pour faire en sorte que le temps de pose soit le plus court possible. Vous savez, que les portraits avant, il fallait rester pendant 5 minutes pour que la lumière prenne un temps. Et on n'aimait pas, parce que dès qu'on bougeait, ça créait une traînée. Maintenant, nous, on fait l'inverse. On essaie d'avoir un temps de pause entre 30 secondes et plusieurs minutes. Alors, ça dépend des conditions d'éclairage. Des fois, on est pénalisé par l'éclairage ambiant. Là, dans le lavoir, on était vraiment dans une boîte noire. Donc, on était dans une caméra obscura, comme ça a été fait au tout début de la photo. Waouh! Et là, on va faire une création lumineuse, donc je vais vous mettre en scène. Donc il est pendant tout ce temps de pause, voilà, il ne va pas falloir bouger. Et une fois qu'on a trouvé cette pause, je vais faire une création derrière vous. Et après, je vais passer devant vous pour vous éclairer, pour que vous apparaissiez dans l'appareil photo. D'accord? Allez, on tire.